Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Okay pupils, this is our second video on lesson 3, Shahadatan, on page 9 in your textbook Islamic Studies book 2. Let's continue. So what have we learned in the first video? We have learned about the second part of Shahadatan. What is the second part of Shahadatan? Muhammadur Rasulullah. What is Shahadatan? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay? Et en passant, les bons nous connaissent, c'est sa même phrase qui nous bisait demande un djimoun pour lire quand Lydia nous lit, puis on vit rentre dans l'islam. C'est ça la porte d'entrée. Pareil comme dans la case, il y a la porte. Quand il y a la porte, il y a une côte ou bien montrer les côtes la porte là, ou dire les passeports à la porte la rentrée. Vrai, pas vrai? Alors, comme ça même, pour rentrer dans l'islam, c'est la religion d'Allah. Pour rentrer dans la religion d'Allah, nous avons besoin de passeport, le shahadatan. Alors, la personne, l'ibizin, prononce le shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Une fois qu'un djimoun li fin prononce sa parole là, pas dit avec cela langue, mais accompagné avec ce l'équerre, li fin musulman. Là, à partir de là, là, astéa li commence pratique l'islam. Il commence à faire namaz, il commence tout bonne petite chose que l'islam il enseignait petit à petit, il commence à prendre et il commence à mettre en pratique. Ok? Alors, ensuite nous apprenons qui Allah fin envoie un prophète et un messager. Dans toute l'époque, depuis le commencement, qui fait Allah il envoie un prophète et un messager? Why did Allah send prophets and messengers? To explain people, to explain them what? Very important, you may get questions like that in the exams. So these are the main points. I'm just briefing it to you so that you know what to learn from this lesson. So, why did Allah send prophets and messengers to people? To teach, to explain to people how to worship Allah. How to worship Allah. We are not allowed to worship Allah as we want. Allah will not accept any worship from anyone except the way He has taught us through His prophets and messengers. And also, why did Allah send prophets? So that the prophets and the messengers explain to us how to obey Allah. Comment obéir Allah? Okay, pupils? And who is the best among all prophets and messengers? It's Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That's what we learned from the first recording. Let's go to the second paragraph now. Okay. Muslims testify. Testify, il a déclaré. Hein? Nous certifier. Hein? Nous attester. Correct? That Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last prophet and messenger. Comme on dit dans la première vidéo là. Nous, musulmans, nous besoin à iman, nous besoin croire. Et nous besoin à yaqin. Yaqin veut dire certitude. Nous besoin sûr. N'importe qui s'en a qui vient dire nous. Le contraire, nous besoin pas accepter. Qui quitte chose qui nous besoin croire? Qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'est le dernier prophète. L'est le dernier prophète. Après lui, Allah pas pour avoir aucun prophète. Aucun prophète, aucun messager, pas pour venir.
and that no prophet, no messenger will come after him. This is very important. N'importe qui s'en a qui dit ou un prophète après prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire l'in sorti en dehors la religion d'Allah, l'in sorti en dehors la vérité qui est dans le Coran, l'in démenti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, c'est lui-même le dernier prophète. Alors, no prophet or messenger will come after him. Muslims should obey him and try to live their lives according to his teachings. Les musulmans, besoin. Je dis à le musulman, besoin. Ou peine à choix. Ou peine à choix. Ou obligé obéir à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou obligé marche d'après ce l'ordre. Nous obliger dans tous les aspects de nous la vie. Comment manger, comment boire, comment habiller, comment causer, comment dormir, comment lever, comment mettre nos linges, comment retirer nos linges, comment rentrer dans la toilette, comment sortir dans la toilette, comment agir avec maman, papa, comment faire namaz, comment garder rosa, comment donner zakat, comment faire hajj, comment faire umra. N'importe qui de chose qui nous fait comme ibadat, même travail. Un musulman n'a pas gagné droit demain, il dit, moi, on a envie de faire tel travail, moi, on a envie de faire tel travail, moi, on a envie de gagner casse dans telle manière, moi, on peut faire tel business. Non, nous devons suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui le prophète dit? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne moi permission pour mettre sa qualité à l'habillement là, sa couleur à l'habillement là, même couleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître tel couleur gagne droit, tel couleur pas gagne droit. C'est ça qu'appelle obéir à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les enfants. Zis nous dit kalima, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Quand nous finissons de dire ça, après nous faisons n'importe comment. Nous marchons n'importe comment. Nous vivons n'importe comment. Nous parlons de Jannat. Demain nous parlons de Allah. Moi, je vais suivre le prophète, moi. Non. We must obey the prophet sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces paroles qu'il dit, nous devons accepter, nous devons croire là-dedans. Nous devons reconnaître qui c'est la vérité. Toute bonne action qu'il fait, nous devons faire pareil. Nous pas faire le contraire. Nous pas ajouter. Nous pas retirer. Nous pas changer non rien. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'in fait namaz, nous fait namaz pareil comme Ali. Ce qu'il lit dans namaz, nous lit pareil. L'in montre nous comment faire ruku, l'in montre nous comment faire sajda, l'in montre nous namaz, comment commence namaz, comment termine namaz. Nous suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il fait umrah. Comment on va le faire umrah? Qui nous fait dans umrah? Qui nous lie dans une place que nous allons? Nous allons faire hajj. Qui nous fait dans hajj? Que nous allons dans hajj? Qui nous lie dans hajj? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous vient obéir. Nous vient suivre. Et c'est en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui Allah subhanahu wa ta'ala les pour satisfait avec nous et les pour donne nous Jannah. En retour, nous pour dans Jannah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous pas obéir à le prophète, nous faire tout à fait le contraire de ce que le prophète dit faire, ce que le prophète dit nous faire, nous pas faire, ce qu'il dit nous pas faire, nous faire. Et les enfants, les clairs, Allah pas pour content avec nous. Et quand Allah pas pour content avec nous, Allah pas pour mettre nous dans la jannat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous faisons du'a qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous tout rendre dans la jannat en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous continuons. Everything that prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comes from revelation. C'est wahi. C'est ce qu'on appelle wahi. Veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute bonne parole qui sortit sur la langue mubarak, c'est pas le prophète qui dit ça par lui. Surtout, bonne parole qui concerne din, bonne parole qui concerne l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans un ayat dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى
ça prophète là il pas cause pas ce l'envie, il pas cause pas ce désir parce qu'il tient envie de faire l'indir. In huwa illa wahyun yuha. Ce qu'il dit, c'est wahy, c'est inspiration, il gagne ça depuis Allah, c'est Allah qui fait l'indir tel causé. C'est Allah qui fait l'indir telle parole. Ça c'est nous iman dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enfant. C'est comme ça qu'il nous vient croire dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, c'est ça valer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui ce parole pour nous c'est wahi. Parole le prophète, c'est Allah ce parole ça. Alors, vous êtes capable de trouver Nadimoun Zodji, vini diaou, ça hadith là menti ça. Ça hadith là pas vrai ça. Ça nous pas besoin de croire dans le hadith. Nous besoin de croire dans le Coran. Non, na'udhu billah. Ça c'est l'égarement, c'est la perdition. Ça c'est nous peut quitter le chemin droit, nous bien dans le chemin travers. Nous bien concilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce parole comme une parole sacrée qui nous pas gagne droit, nous pas gagne droit pas croire, nous pas gagne droit démenti. Nous bien accepter lui, nous bien obéir à lui et nous bien marcher d'après sa pas parole là. Parce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit? He speaks only the truth. C'est le djimoun qui jamais n'a pas fin causement menti. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il préserve cela langue contre mensonge. Jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fin cause menti. The truth, truth veut dire la vérité. Tout ce qu'il dit c'est vrai. He wishes only good for us. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'India ça pour nous propre du bien. Nous visons un iman qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il India, l'India ça pour nous propre du bien. À nous prendre l'exemple. Nous prenons l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam India, les haram pour écouter la musique. Haram pour écouter la musique. La musique c'est un instrument de shaitan. Shaitan qui gagne, c'est un plaisir shaitan dans la musique. Est-ce que quand le prophète dit haram pour écouter la musique, est-ce que moi en tant qu'un musulman, j'ai besoin de dire aïe, regarde ça, je suis content d'écouter la musique. Puis le prophète là, il n'a pas écouté. Mais moi, je suis content d'écouter, je gagne plaisir quand j'écoute la musique. Je me sens un tracas aller. Pour moi, la musique, elle est l'amusement, ça. Une distraction. Est-ce qu'il y a le droit de faire la musique vient nous distraction quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à la musique haram? Et est-ce que le prophète quand il dit ça, le prophète il a envie de faire nous dito ou soit le prophète connaît qui la musique et n'a du mal pour nous là-dedans. La musique peut amener nous dans l'enfer. À cause de ça, le prophète il dit à nous, reste loin avec la musique. Reste loin avec ben instrument de musique. Compte en lecture Coran. Compte en zikrullah. Elle cherche plaisir dans Zikrullah. Elle cherche plaisir dans lecture Coran. Parce que lecture Coran va maintenant dans le paradis. Donc quand le prophète dit à nous une petite chose, pas bon, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaît et n'a dit bien pour nous là-dedans. Donc comme ça même, tout ce que le prophète dit à nous, tout ce qu'il dit à nous bon, nous prend lui comme bon. Tout ce qu'il dit à nous pas bon, nous prend lui comme pas bon. Parce que le prophète, lui oulait nous du bien, lui compte en nous. À cause de ça, l'indienne, ça va une petite chose là. Alors voilà, les enfants, nous terminons avec Ayat Quran qui est dans notre livre en bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Indeed, indeed, veut dire certainement, sans aucun doute, in the messenger of Allah, dans le messager d'Allah, veut dire dans ce lavis, dans tout ce que le prophète dit, dans tout ce que le prophète in fait, you have a good example to follow. Et a l'exemple, et a leçon pour nous là-dedans. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, celui qui nous vise à prendre lui comme modèle, nous vise à prendre lui comme l'exemple, nous suivre lui, nous gorer le lit, nous copier de tout ce qu'il in, tout ce qu'il in faire. C'est ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Alors voilà, nous deuxième partie de Shahada, Shahadatan. Amen iman dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoute toutes ces paroles, obéis à lui dans toute action qu'il donne nous l'autre et pas désobéis à lui dans une action qu'il fait. Il fait oh donne nous pour qui nous reste loin. Inch'Allah, avec sa façon de vivre là, Allah peut réserver grande récompense pour nous le jour de Qiyam, le jour de Qiyam.
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors les enfants, il y a une question, il y a une question, il y a une question en vitesse. Numéro 1, who is Muhammad? Qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? 2, why is Muhammad the best model in our life? Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur modèle qui nous a dans nous la vie? 3, will there be any prophet or messenger after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? L'explication, on finit de nos réponses. Est-ce qu'il peut y avoir un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Why? Et 4, can Muslims take actors and artists as role models? Est-ce qu'il y a un musulman qui apprend à acter, à actrice comme ce modèle, comme ce exemple? Donc, je te réponds à cette question-là. Et lié à ça, exercice D là, lié à lié, il y a un mot là-haut, je vous ai remplacé dans les tirs, je te professeur pour reprendre ça avec eux en classe, Inch'Allah. Jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.